Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une après-midi avec moi. Vu que je n'ai pas d'idée de vidéo, j'ai décidé de faire cette vidéo là. J'espère que ça va vous plaire, likez, commentez, partagez. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Bon, je suis un peu gêné parce que vu que j'habite au rez-de-chaussée, c'est un petit aparté. Vu que j'habite au rez-de-chaussée, il y a des gens qui passent devant ma fenêtre. Donc du coup, s'ils me voient filmer, je vais être comme ça. Elle a où ? Bref, je vais appeler Lily. Elle ne sait pas du tout que je suis en train de filmer une vidéo. Donc ça va être la surprise. A few moments later. C'est bon. Bon, désolé, vous avez ma vaisselle. C'est le meilleur cadrage que j'ai pu trouver. Nous allons appeler Lily. Ah, pas de réponse. Merde. Ah. Service des renseignements, bonjour. Tu m'entends? Ouais, oui, là, je t'entends. Oh putain, tu m'as fait peur. Alors, voilà. Lily? Oui. Alors, je vais te montrer quelque chose. Oui, tu me fais peur quand tu me dis comme ça. Surprise, nous sommes en vidéo. Oh mon dieu. Tu dis bonjour à YouTube. Bonjour tout le monde. C'était la petite surprise. Il a tout pris que tu y participes. Oh. Vu que tu es présent, nous allons faire la vidéo qu'on avait prévue. Test de culture générale. Est-ce que tu as mis tes neurones en place? J'espère. J'ai pas le choix. Oui, vas-y. J'ai pas le choix. Oh. Il y a 20 questions de niveau facile. Quel drapeau a pour couleur noir, rouge et jaune? Haïti, Vietnam, Belgique, Allemagne. Ouais, mais c'est en vertical ou en horizontal? En horizontal. Horizontal, c'est l'Allemagne. Je dirais pareil. C'est une bonne réponse. Question suivante. Complétez l'expression. Mettre du beurre dans les épinards. Oui. Comment s'appelle le frère de Mario, le héros de jeux vidéo? Luigi. Bravo. Comment appelle-t-on le petit de la brebis? Un veau, un agneau, un mouton ou un chevreau? Agneau. Ouais, j'étais en train de me dire, oh, elle a bugué. Oui, non, mais... tu peux répéter les propositions? Non, mais t'avais bon. Ah, ça va. J'ai peur. Que signifie en français le mot Guten Tag en allemand? Calimera en grec et buongiorno en italien. Bonjour. Ouais. Comment appelle-t-on l'explosion qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers? Le grand boom, le big bang, l'énorme paf ou la déflagration géante? Le big bang? J'aurais dit pareil perso. J'ai dit pas. Non, c'est bon. Dans quelle articulation du corps humain se situe la rotule? Tiens, on en parle. Je me suis éclaté le genou hier. Elle a où? Bon, c'est ça quoi. Donc oui, c'est genou. D'après le titre du roman de Tolkien qui lui est consacré, à quel peuple Bilbo appartient-il? C'est l'Hobbit. Oui. Combien de canines comporte la denture d'un homme adulte? 2, 4, 6, 8. 4. Mais moi, je sais pas. Attends, les canines, c'est quoi, c'est là? Attends, celle de devant, c'est les incisives, c'est celle qui coupe. Les canines, c'est celle qui arrache. Et les molaires, c'est celle qui broie. Je dirais 4. Ah, 4. Bonne réponse. Nous possédons une canine de chaque côté en haut et en bas et leur fonction principale est de déchiqueter les aliments. Ah, je l'avais bien dit. Oui. Comment s'appellent les deux petits points placés sur le i du mot astéroïde? Oh, c'est un tréma. I-tréma. I-tréma. Et pas IPA.
C'est... Oh putain, c'était nul. Non. C'était nul. Ouais, non, c'était nul, tu pourras la couper au montage. Coupé, on la refait. Coupé. Quelles sont les origines du chanteur Claude Barzotti, dit le Rital? Italiano. Ah oui. Complétez le générique d'une célèbre série télévisée. Dallas. Mais l'univers est impitoyable. Eh oui, bonne réponse. Quelle chanteuse était dans les années 60 la plus belle pour aller danser? Danser. Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Sheila ou Michel Thor? Je crois que c'est la première. C'est Sylvie Vartan? Ouais. À la plage, quelle pièce de tissu d'inspiration tahitienne peut-on nouer par-dessus son maillot de bain? Salette de plage, hein, une fouta, fouta cagoule. Pardon. On est avec Fatal Bouzoka maintenant. Ouais. Un pareo ou un bain de soleil? Oh bah non, un pareo. À combien est égal la moitié de 2 x 2? 2 x 2 ça fait 4, la moitié c'est 2. Bah oui. Théoriquement. Bah voilà, bonne réponse. Comment s'appelle l'ami lapin de Bambi? Papa. Quel acteur et humoriste est marié à Mélissa Thuriot? Dubosc, Danny Boone, Harry Habitant ou Jamel Debbouze? Ah, c'est Jamel, je crois. Mélissa, tu dis? Ouais, je pense que c'est Jamel. Ouais, je vais mettre Jamel Debbouze. Ouais, c'est ça. Quel est le nom du chanteur de Maroon 5? Ah, ça, je sais, c'est Adam Levine. Yes. L'acronyme MJC est l'abréviation de Maison des Jeunes et de La Connaissance, la Capoeira, n'importe quoi. La culture ou la citoyenneté? Je crois que c'est la citoyenneté. Je dirais culture. Plouf, c'est toi que je choisirais pour la réponse. Bonne réponse! Dans quel département se trouve la ville de Marseille? Les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse ou l'Hérault? Bah, c'est les Bouches-du-Rhône. Pardon. C'est dégueulasse! 20 sur 20. Youhou! Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de monter la vidéo. Quoi qu'il en soit, la vidéo est beaucoup trop longue. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de la publier en deux parties. Je trouve que ça va être indigeste pour vous. Mais en attendant la deuxième partie, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications. Voilà, gros bisous.